Donc voici venu le temps des soldes. Donc une vidéo solde consacrée à Douglas aujourd'hui, puisque j'ai fait aussi une commande sur Sephora. Je vous filmerai la vidéo par la suite. Donc ben chez Douglas, comme tous les ans quasiment, je trouve mon bonheur. Vous allez voir ça, des choses que je voulais depuis longtemps, mais d'ailleurs dont je vous avais déjà parlé dans certaines de mes vidéos que j'ai eu la chance de trouver soldées. Donc j'étais vraiment très contente de ma petite virée à Douglas. Donc on va commencer par les vernis. On va commencer par les choses en fait que je pensais pas acheter, puisque là j'étais très sélective, j'avais déjà fait mes wishlists. Mais là, l'occasion s'est présentée, c'est des vernis de toute beauté. Donc, c'est les fameux Estée Lauder. Voilà. Donc, je les ai eus. Alors, j'ai gardé le petit papier. Au lieu de 21,40 à 10,70 €. Donc, j'ai pris un rouge. Donc, qui s'appelle Enchanted Garnet. J'ai pris un marron qui s'appelle Bittersweet. J'adore son nom. Enfin, un violet très sombre qui s'appelle Bête Noire. Un petit rose qui s'appelle Ballerina Pink, qui porte très bien son nom. Et enfin, un corail qui s'appelle Pure Red. Alors là, moi, je suis désolée, il n'est pas rouge, hein. Je le vois pas rouge. Voilà. Et j'ai flashé sur un petit opi, là, qui est vraiment magnifique, qui s'appelle Another Polish Joke. Donc le voici. Donc lui au lieu de 15,40, je l'ai eu à 4,62 €. Je ne sais pas si vous verrez les prix. Voilà. Il est vraiment super beau. Je ne l'avais jamais vu celui-là. Donc voilà pour ce qui est des vernis. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer, donc vous savez que mon amour pour les rouges à lèvres Yves Saint Laurent. Donc là, et ben, je m'en suis trouvé un, le numéro 9, qui était soldé à 30%, qui s'appelle, donc c'est dans la gamme Involupté Sheer Candy, vous savez que j'adore cette gamme, Goyave Sorbet. Connaissez le packaging. Et c'est un joli petit, un petit rose. Voilà, qui est très glossy, très naturel, avec des petites nacres dorées à l'intérieur. Je ne fais pas de swatch parce que je veux faire des photos pour mon blog. Vous savez comment je suis tatillonne avec ça. Ensuite, je me suis trouvée une petite ombre à crème. Alors, ils appellent ça comment? Ombre colorée tenue intense. Voilà, de la gamme Estée Lauder, toujours. J'étais très surprise. La gamme était soldée à moins 70%. Donc, je l'ai payé 9,29 € au lieu de 30,95 €. Et vous allez voir, c'est une couleur qui est superbe. Donc, ce qui est bien chez Douglas, c'est qu'ils mettent des testeurs pour tout. Donc, pas besoin d'ouvrir les paquets. Tu as les testeurs, t'es tranquille. C'est un magnifique marron cuivré, rouille. Regardez-moi ça. Voilà. Il est superbe. Mais superbe. Ensuite, je me suis trouvée de la marque Guerlain. On va passer à la marque Guerlain. Deux petites choses. Donc, je me suis pris un terracotta blush qui était soldé, lui, également à moins 70%. Donc, au lieu de 37,20 €, je l'ai eu à 11,16 €. Donc, c'est un enlumineur nacré effet soleil.
en teinte 02 Sunny Pink. Alors c'est rose, c'est pêche, il y a des petites nacres dedans, vraiment c'est super beau. Et c'est un flacon pompe, donc hyper pratique. Vraiment, j'adore, pour cet été, ça va être parfait. Et j'ai eu la chance de pouvoir me trouver, j'adore la marque Guerlain pour tout ce qui est terracotta. En règle générale, il sort toujours des éditions limitées magnifiques et j'attends en croisant les doigts pour que je puisse les avoir soldés. Et mon Dieu, ben, à chaque fois j'ai de la chance quoi. Donc là, elle était soldée à moins 30%. Donc voilà. Donc c'est la Terra Aura. Et alors là, c'est un vrai petit bijou. Donc toujours le packaging en bois aimanté qui se tourne comme ça. Et voilà la beauté. Elle est juste sublime. Alors je me connais, je vais rester des mois à la regarder avant de l'utiliser. Non mais vraiment, c'est magnifique. Maintenant, on va passer à la gamme Sisley. Donc là, bah, j'ai trouvé... je comprends pas parce que ça fait 2 ans. Oui, je crois bien que ça fait bien 2 ans que je la voulais, cette teinte-là. Je l'avais eu soldée en teinte abricot un peu. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Et là, j'ai trouvé mon orchidée blanche enlumineur en teinte rose, tout simplement. Donc à moins 30%. Et là, c'est la première chose que j'ai vue et que j'ai mis dans mon panier. Là, j'en revenais pas. J'étais trop contente. Alors, faut que j'arrive à la sortir sans la casser quand même. Ça serait dommage. On va essuyer un peu. Donc, toujours. Et regardez-moi. Cette merveille. Donc je suis mais aux anges parce que ben, vous savez que j'aime bien les marques de luxe mais que souvent j'attends les soldes ou d'avoir des remises importantes pour me les offrir parce que ça coûte quand même un bras. Et ben, j'ai réussi au moins à ces deux, ça et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis un moment et depuis que c'était sorti, je me suis dit non, tu ne les achèteras pas au prix fort. Alors, et j'ai bien fait d'attendre. Donc on va continuer dans les parfums. Donc un parfum que je voulais depuis longtemps, que j'adorais, parce que j'adorais son odeur et tout, mais qui est quand même pas mal cher. D'ailleurs, c'est une autre toilette. Donc je suis étonnée parce que chez Douglas, d'après l'étiquette... elle était à 67,40, il y a eu moins 30% dessus. Donc je n'ai payé que 47,10 ce parfum. Mais c'est vraiment je suis étonnée, je pensais que ça allait être plus cher parce que c'est vraiment à 75 ml. Donc c'est le Daisy de Marc Jacob en édition limitée. Et vraiment, je n'avais jamais vu à ce prix-là. Donc. J'ai bien fait d'attendre aussi parce que alors ça c'est pareil, combien de fois je l'ai mis dans mon panier sur Fragrance Direct et puis je me suis dit oh non, et voilà, c'est la grande bouteille comme ça et ça sent la pastèque, le melon, ça sent l'été, ça sent bon, il est magnifique. Donc voilà, il y avait également du Roger Gallet, donc je suis tombée sur la fleur de figuier. Alors, Roger Gallet, moi, je trouve quand même que c'est cher pour ce que c'est. Pour de l'eau parfumée fraîche, comme ils disent, 40,95 € quand même. Et moi, je l'ai eu à moins 50%. Donc, j'ai bien fait d'attendre. En plus, c'est un format 100 ml. On va l'ouvrir ensemble.
Et ça, c'est une senteur qui est sortie l'année dernière, je crois. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, eau fraîche parfumée, fleur de figuier, pulpe de figue, carvi, fraîcheur du pamplemousse. Enfin, c'est pareil, il y avait tous les testeurs et il y avait vraiment des choses très intéressantes à Douglas. Et ça fait des années, oui, je peux bien dire des années que je ne me suis pas acheté de parfum parce que je privilégiais les eaux parfumées ou... Enfin, je ne suis pas plus parfum que ça, mais cette année, je me suis un peu lâchée. Et donc, voilà comment ça se présente. J'ai pu avoir ma fleur de figuier en grand modèle pour 20 euros. Donc, Isco Kiko est contente. Mais c'est pas fini! Non! J'ai eu également l'huile voluptueuse amande persane, l'huile sèche parfumée, corps cheveux à moins 50%. Donc je l'ai payé 11 euros au lieu de 23,95. Donc ultra nourrissante, apaisante, corps et cheveux. Sensuel et enveloppant, ce parfum enivrant de l'huile voluptueuse amande persane vous transporte au cœur des jardins enchanteurs de Perse. Et c'est, ça sent trop trop bon. Alors, est-ce que je vais réussir à enlever ça? Voilà. Donc, je vais me mettre. C'est une huile sèche, ça pénètre. Oh là là! Je vous montre mon bras. Vous pouvez pas sentir, non? Oh là là, c'est une tuerie. Non mais là, je crois que j'ai vraiment fait des super affaires. Je suis ravie. Et pour finir, donc de la marque, ben je sais pas trop quelle marque. Copacabana by Royal. Je me suis acheté un petit bain dissolvant sans acétone à 2,98€ au lieu de 5,95€, donc à moins 50%. Parce que moi j'aime bien les petits bains dissolvants, comme je me fais les ongles souvent, c'est rapide et tout, donc ça abîme un peu les ongles. On verra celui-ci s'il est bien. Et je me suis pris également, qui était à 50%, donc que j'ai eu à 2,48€ au lieu de 4,95€. Je suis obligée d'enlever l'étiquette. Une petite lotion pour les ongles, les mains et les pieds. Et donc, moi, ce qui me l'a fait acheter, c'est que c'était une lotion pour les mains ultra légère. Donc, voilà. Donc, ça, c'est de la marque Douglas. Voilà. Et en cadeau, donc, j'avais reçu des petites offres avec les... Vous avez deux produits solaires, un produit acheté. J'ai donc eu en cadeau le Boom Après Soleil, régénérant, réhydratant, intense. Voilà. Et elles m'ont offert une palette. Comme ceci. Non, je n'ai pas besoin de la Urban Decay électrique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.